Nous sommes aujourd'hui à cette date du 30, oui, c'est le 30, hein. Voilà, de lundi 30 mars 2015, lundi de 30 mars 2015, nous sommes juste à une réunion technique, notre jour off, en même temps préparer la PAC, une bonne organisation. J'ai demandé à ceux des haricots d'être là. Voilà, donc justement, chacun va se présenter et nous allons aborder le sujet du jour. France, le pasteur dans le ministère des Loges, du ministère de la Compassion des Gardes. Le pasteur Gago Philippe, du ministère de la Compassion des Gardes. Le directeur du Cameroun, du ministère de la Compassion des Gardes. C'est Oula Gaïa, du ministère de la Compassion des Gardes. Gaë Marie, ministère de Compassion des Anges. Vous, ça vous fait peur, la caméra. Oh, donc vous parlez où là? De Compassion des Anges. Et à la caméra, vous bavardez? Petite caméra, vous parlez. Il est dans le ministère de la Compassion des Anges. Pour ce que tu as, ministère. Parle fort. Je m'appelle Borou Lekano Angèle. Je suis le ministère de la Compassion des Gens. Il y a le ministère. C'est elle qui est le ministère. C'est elle qui est le ministère. D'abord, la liste de ministère MCA. Ouais. Hé, Maroche. Télé Christian Pélin, ministère de la Compassion des Gens. Kofi Kabou Désiré, ministère de la Compassion des Gens. Béli Croisé Vincent, l'un des membres du ministère de la Compassion des Gens. Où est la chaîne de rose? Les hommes, là, ils n'ont pas de tissu. Quels sont ceux des gens qui n'ont pas de tissu, là? Vous êtes combien? Toi, t'as déjà pour toi. Hein? T'as pour toi. Comment t'es déjà? Moi je demande, tu dis pas, je vais te demander pourquoi on s'inscrit. Comment est-ce qu'il a compliqué? Comment elle a eu ta compagne? Tu as eu pas, non? Ah, mais c'est ce qu'il demande. Il y a combien de personnes t'ont pas? Oui, parce que le couturier demande. Vous allez acheter les pagnes? Qui a acheté? S'il vous plaît, je suis en train de parler. Qui a acheté la dernière fois, c'est Denise? Non, on a donné à une tante Abidjan. Elle a envoyé. C'est il n'y a pas ça ici. Non. Le pain là. Donc vous allez changer, vous allez changer votre pain à pas. Oui, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, on est obligé. Maintenant, vous, on dit que vous n'avez pas l'argent pour payer les uniformes. C'est combien, Daddy? 2500. C'est ça, vous n'avez pas. C'est la grande chiquée. Oui. C'est la grande mondiale de la chiquée. Ça paye. Ah, non, ne pensez pas y payer. Ça, je vous dis la vérité. Moi, je suis confronté à des dépenses. C'est la fin du mois. Je dois voyager. D'ici après quelques jours, après la fête, je dois voyager. Je dois payer tout. M'occuper de tout. C'est moi qui ai donné l'argent. Si vous ne savez pas, c'est moi qui ai donné l'argent pour payer les pailles. Maintenant, votre participation, c'est ça. Puisque d'autres personnes là sont. On les soutient ici. Tel que les Rachel. Il y a deux qui ont prié. Les commissaires sont dit que nous avons aussi. Ok. C'est toi qui parles à la place déjà. Toi, Angèle, on te donne un soutien, non? C'est-à-dire, si on te paye ça, on retire ça dedans. Toi qui es là-bas aussi, c'est la même chose. Les Saint-Pierre et tout. Tu dis? Oui, mais le gars me dit à qui t'as donné? Oui, toi. Ok. Donc arrangez-vous, j'étais chez le couturier ce matin, arrangez-vous à donner un truc. Va dans le truc, dans le pain là, Dominique. Voilà un truc. Pour les uniformes là. Donc voici un peu les uniformes. Maintenant, le vendredi, on sera à la veillée de Zaroko. Le vendredi. Le samedi, il y a baptême. Quels sont ceux qui ne sont pas encore baptisés? C'est pas verser l'eau sur cette ainsi. Si on a versé l'eau sur ta tête, c'est pas la peine. Tu dois te baptiser. Voilà, donc, il faut qu'on vous baptise. Voilà, je vais vous baptiser.
Et l'autre complet là. Comment ça? Il reste un dernier. Donc ça. Tu es venu déjà là. Il y a un message qui vient chaque 3 minutes. Toi. Tu es venu déjà ici là. On t'envoie un message. Oui, donc voilà. Le samedi, ceux qui ne sont pas encore baptisés, inscrivez-vous. Je vous donnerai un entretien avec moi le samedi matin. Ça dit qu'on finit là, la veillée. On fera de telle sorte que le cas vienne à 6 heures. Si on va vite finir cette fois-ci. Moi, j'irai tôt pour qu'on puisse vite finir et qu'on rentre tout le monde. Moi, je vais sur ça de près le convoi. On va rentrer sur Divo. Dès qu'on rentre sur Divo, j'aurai un entretien sur post-baptisé. Il y aura un petit repos. À 16 heures, nous irons aux eaux de baptême. Dès qu'on finit, il y a aussi dimanche. Dimanche, maintenant, l'événement. Ça dit que tout le monde va dormir ici et on va commencer à s'organiser. Donc, je vais demander au pasteur d'organiser le comité d'accueil et tout ça. Ils n'ont pas organisé ça. Ils peuvent me donner la liste. La nourriture. Moi, je prends, le ministère prend le mouton en compte. On aura un mouton. Ça va se passer comment? Ça dit entre midi et deux, on aura agapé. On va manger ensemble, partager ensemble avec tous les fidèles. Tous les fidèles. Entre midi et deux, quand on finit le culte de 9h jusqu'à midi, on a fait une pause, on mange là. Le soir, dans le même coin, on aura, n'est-ce pas, notre concert, c'est-à-dire notre dîner gala. Là, le soir, maintenant, c'est les braisés. On aura, ça peut être mouton braisé, ça peut être poulet braisé, mais en même temps, avec les autorités d'ici. C'est pour ça qu'avec, en collaboration avec les deux radios, donc il y a des gens ici qui sont là, on va inviter tous les couples. De Divo, toutes les personnalités de Divo, pour que ce dimanche-là, tels que Dominique, ceux qui ont été délivrés, tels que Dieu donné, ton fils Dieu donné, là, vous pouvez l'envoyer, puisqu'on a la vidéo, les gens vont rendre témoignage, parce que je viens de voir le juge d'instruction, celui qui a condamné dans le temps, son homme, puisqu'il avait tué, et c'est le même juge là-même qui a tout fait pour qu'elle ne puisse se faire délivrer, comme elle était mineure. Donc, il suit le dossier de près, ce matin, je suis allé d'abord chez le couturier. Puis j'ai décidé de l'envoyer chez le juge. On a même échangé tout ça. J'ai dit au juge, il a vu qu'elle a grossi, tout ça. Il m'avait demandé par rapport à son école. J'ai dit non, je ne veux pas qu'elle fréquente ici parce qu'il y a des gens qui ont le passion passé dans la tête. Or, si quelqu'un l'a passé dans la tête, la personne ne va jamais te faire voulir. Elle va toujours te ramener le passé. Donc, je suis en train de tout faire pour qu'elle puisse quitter la Côte d'Ivoire, aller fréquenter ailleurs. Donc, je dis merci à Diamant. Parce que cette dame, qu'elle est venue, elle a cherché à voir, savoir si elle pouvait adopter Dominique. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il n'y avait pas de problème qui pouvait nous aider à faire les papiers. Et donc, voici un peu le travail que nous sommes en train de faire. Or, cette fête de Pâques-là, il faudrait que chaque Pâques ait une particularité. Or, la particularité de cette fête, c'est de montrer aux yeux de tout le monde qu'on peut partir de l'étape de la sorcellerie. Et puis être délivré, être utile à sa maison, être utile à la nation. C'est un peu ça. Ça dit, ce serait la série de témoignages. Voilà, donc hier même, vous avez vu que Armel a fait l'essai de projecteur. On a déjà le projecteur ici. Donc on va projeter pour dire aux gens un message très fort. Au lieu que vous, parce que dans d'autres églises, quand tu es sorcier, on ne peut plus prier pour toi. Il faut qu'on fasse des prières pour que tu meurs. Oui, si, dans d'autres églises, c'est ça. Le sorcier doit mourir. Or, l'église est faite pour délivrer les gens. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les juges, juste pour les pécheurs, c'est tout le monde d'ailleurs. Donc il faut déjà enseigner aux gens qu'on peut passer de l'étable à la sorcellerie et puis être une personne délivrée qui peut être utile, n'est-ce pas, au royaume de Dieu. Et ça serait notre particularité. Donc ce dimanche-là, il y aura un concert. C'est vrai que nous allons prester, mais il y aura des artistes surprises. Nous sommes en train de voir, envoyer des artistes. Donc tout le monde doit être en uniforme. C'est obligatoire. C'est le lien du ministère. Tout le monde doit être en uniforme. Il faut que ça soit très bien organisé. Il faut que la cour, même des Limoins, ça soit vraiment bien organisé et tout ça. Donc, c'est pour dire que nous sommes en même temps, ça serait pour moi une occasion de faire asseoir beaucoup de choses. D'abord, on envoie des réunions en semaine, parce que la semaine qui suit, la seconde semaine, je voyage. Voilà, je voyage. Je vais avoir une idée de ceux qui sont réellement engagés dans le ministère. Comme ça, de l'autre côté, quand je serai là-bas, je vais présenter les besoins de chaque personne. On va prendre les films, on va prendre vos vidéos des différents besoins du ministère de chacun d'entre vous. Ok, si je suis de l'autre côté,
par la grâce de Dieu, je puisse vraiment exposer vos besoins pour que ceux qui veulent vous aider puissent vraiment vous aider. Vous avez vu que j'ai communiqué, quand le diamant est venu, il savait que telle personne a telle pointure, telle pointure. C'est ce que je vais faire. Je m'arrête non seulement ça pour évangéliser. C'est vrai qu'on aura des concerts à Paris, dans 8 villes de la France. Donc les gens voulaient forcément, parce que je mange pour 3 mois. C'est pour 3 mois le programme de la France. Mais j'ai fait des multiples entrées. C'est-à-dire que je vais partir pour 2 semaines. Et la première rencontre, d'abord, ça sera 3 semaines. Je pars d'abord pour 2-3 semaines. J'ai une semaine pour préparer le comité d'organisation, tout ça. Et puis j'ai 2 semaines pour travailler Paris, Toulouse. Quand j'ai fini, je reviens. Je fais quelques semaines ici. Je repars en France. Et en France, je dois partir après à Londres. Et je dois partir sur les États-Unis. Le mois prochain, j'ai déjà tous les papiers. Pour dire, il faut une organisation très forte derrière moi. Ça, c'est très important. Moi, je n'ai pas l'intention. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller rester à l'étranger. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ma base, c'est ici. Je suis en train de me battre pour que nos frères de la diaspora comprennent que l'Afrique a besoin de toutes ces personnes pour se développer. Donc, j'irai prier pour ces personnes. On aura prié pour ces personnes. Prier pour eux pour qu'ils viennent, puissent vraiment venir investir. En fait, et Dieu peut sécuriser leurs affaires, leurs maisons et tout ça. Voici un peu mon message. Donc, j'aimerais que beaucoup, qu'il y ait beaucoup de sérieux dans votre comportement et qu'il y ait beaucoup de sincérité. Non seulement ça avec Dieu et avec moi. Et ça, c'est important. Parce que celui qui va vouloir s'amuser, là, regardez, où sont en train de partir. Allez, faut, celui qui n'est pas intelligent, c'est ça, la personne ne peut pas comprendre. D'où sont partis pour qu'on arrive là. Et on n'est pas encore arrivé. On a plein de choses à faire. On a tellement de choses à faire par la grâce de Dieu. C'est ce qu'il tente de dire au pasteur. Il faut que les hommes de Dieu, eux, qui travaillent à mes côtés, et qui se comportent très bien, et pour que moi j'ai confiance en eux. Parce que si j'ai confiance à ces personnes, je peux les inviter. Au moment où je suis en train de partir à Paris, qu'on a besoin de moi à Yaoundé, je dois partir au Cameroun. Parce que lui-même, il doit partir au Cameroun. Après, quand je vais partir, lui, il va partir au Cameroun pour préparer mon arrivée à Yaoundé. Donc, ils peuvent aller. C'est pour ça qu'il dit, si vous vous comportez très bien, ben, vous allez gagner ma confiance. Et puis moi, si je vous fais confiance, je vais m'inverser en vous. Parce que je ne me vois pas en train de m'inverser une personne à qui je ne fais pas confiance. Or, quand tu es déjà en ma présence, que tu comportes très mal, c'est pas quand ce n'est pas là que tu vas bien te comporter. Voilà, donc c'est à tout ça. Pourquoi la Bible dit disciple? Ça veut dire qu'on doit être discipliné. Dans votre comportement, la discipline. C'est-à-dire le comportement, vous devez être bien comporté. Le respect de l'autorité que je suis, le respect de Dieu dans vos comportements. Mais quand vous êtes seul, vous devez respecter Dieu. Ça y va de votre bénédiction. Parce que Dieu connaît la vie de chacun d'entre nous. C'est en fonction du comportement que tu auras vis-à-vis de Dieu qui te bénira, parce que c'est lui qui vous les porte. Donc si vous vous comportez très bien, c'est vous qui allez bénéficier. Or, si moi je suis triste, si Dieu est attristé, mon cœur sera aussi attristé. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de permettre que Dieu puisse nous utiliser, afin que nous puissions aller très loin ensemble. Et ça, c'est vraiment très important. Je ne suis pas le genre de personne qui est ingrat. Je ne suis pas ingrat. Moi, je sais. J'aime bien reconnaître les choses. Sinon, il y a beaucoup de serviteurs qui m'approchent. Pendant le ministère, quand je vois des gens m'appellent, d'autres viennent venir spécialement travailler au sein de ce ministère. Et du coup, il dit, ok, laissez-moi, j'ai prié. Voilà. C'est pas parce que j'ai besoin maintenant d'ouvriers. C'est Dieu qui envoie les ouvriers. Mais j'ai commencé avec les personnes. Et je suis en train de m'inverser en ces personnes. Voilà, je suis en train de m'inverser en ces personnes pour que ces personnes puissent aller très loin. Amen. Amen. Je dis en même temps merci à Aïda. La voiture qu'elle nous a promis est embarquée. C'est parti déjà dans le bateau. Ça doit arriver le 2 mai. Il y a la vidéo. J'ai déjà la vidéo. J'ai envoyé la vidéo de l'embarquement. Pendant que la voiture, la vidéo est même dans mon portable. Quand la voiture s'est déplacée, ils sont venus chercher ça. Et ils m'ont mis ça. Et ça me fatigue. Parce qu'actuellement, j'ai un problème de véhicule. Il faut prendre véhicule 25 000 francs par jour. Imaginez-vous, chaque 4 jours, ça fait 100 000. Comprenez? Oui, mais comprenez. Vous savez que moi, mais l'argent, là, ce n'est pas moi qui bouffe ça. Or, s'il n'y a pas de véhicule, c'est un problème. Tous mes véhicules sont en panne. Tout en panne. À cause de la voie d'ici. Tout en panne. La X5, même chose, je la mets au garage. Quand arrivé au Maroc, quand je voulais prendre la voiture, c'est gâté. La Laguna, on n'en parle même pas. Le moteur ne trouve plus. Toutes mes voitures sont en panne. Il faut que je prenne une voiture sur place ici. Ça fait 25 000 francs par jour. Or, il faut aussi mettre le carburant. Donc, j'ai mis tablé les au chauffeur. J'ai dit, mais toi-même, là-dedans, c'est toi qui bouffe mon argent. T'as dit, quoi? C'est toi, chaque jour, c'est toi qui dois donner l'argent. Ouais. Donc, je dépense plus. De plus, je dépense.
Ramenez l'argent là-haut. Oh, il y a des besoins. Mais c'est une nécessité. Il n'y a pas de voiture pour me déplacer. C'est pour dire que merci, je dis encore merci à Ida. Elle avait promis d'ici 3 mois. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a respecté sa parole. Moi, j'aime bien les gens de parole. Elle a respecté. Quand elle est rentrée en Allemagne, la première chose qu'elle a chez moi cherché, c'est de chercher à me trouver un véhicule. Elle s'est déplacée à Berlin dans beaucoup de villes. Et puis, un matin, elle a dit, j'ai eu la voiture. Et puis, là, la voiture m'a envoyé les images. Elle cherchait comment faire. Est-ce qu'il fallait venir au port? Je suis allé d'abord au port de Lomé. Or, si ça quitte à Lomé, que ça vient en Côte d'Ivoire, ça sera encore plus cher. Donc, on a tout fait pour avoir une information par rapport au port d'ici. On a trouvé qu'il fallait faire passer par ici. Et c'est pour cela que ça devient embarqué. Donc, merci Aïda. Merci aussi pour le. Elle a encore un minibus qui doit venir. C'est-à-dire, nous, là, quand j'ai ma voiture, il doit avoir la voiture du ministère. Et j'ai tenté de dire aux gens, je dis, si je reviens de la France, c'est les pasteurs, ceux qui sont le ministère, les gens du ministère vont passer leur permis. Pourquoi vous avez votre permis de conduire? Parce que ce n'est pas d'autres personnes, c'est vous qu'on va utiliser pour régler les voitures. Il y aura plein de voitures. Un d'abord, il y a plein de voitures qui sont déjà au garage. Il faut les refaire. On aura encore d'autres véhicules. Parce que là, ils sont en train de nous équiper. J'ai dit aussi merci à le Saudi de New York, le pasteur Amisha, pour son invitation. J'ai dit, je serai là, à cette convention. Je serai par la grâce de Dieu. Ok, amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans l'esprit de fête. On va essayer de voir les dépenses. Vous allez faire ça, les pasteurs. Moi, je vous ai dit que c'est la fête. On va essayer de voir les dépenses. Quelles sont organisées, les comités d'organisation. Voilà, vous me donnez après la liste pour que je puisse avoir une idée. Moi, je vais travailler tout à l'heure avec les gens de la radio par rapport à cette organisation. Il faut que ça soit un succès, une réussite. Parce que la fête de Dieu, on ne joue pas ça. Or, quand il ne joue pas la fête de Dieu, Dieu ne joue pas la fête. Les gens pensent que quand c'est Dieu, il joue ça. Or, Dieu, il n'est pas ingrat. Quand vous voyez que Dieu bénit les personnes, ça dépend de ce qu'ils font pour Dieu. Voilà. Il y a une dame comme ça, Aïda, un matin, elle est venue, elle a dit, elle a chauffé à nous dans la voiture, elle a dit, je vous t'envoie une voiture, elle a respecté. Moi, j'aime les hommes de parole. Elle n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Divo n'est pas sa région. Elle est togolaise. Divo n'a rien à voir avec sa région. Mais elle a vu l'œuvre de Dieu qu'il faut aider. Oh, il y a des gens d'ici, dans la région, on n'a même pas donné même moto, même vélo. Vélo, même pour les. Palais fait sport. Palais fait sport, voilà, sport. Vélo, palais fait sport, il n'y a pas. J'avais pas. Même petite voiture, vous donnez à quelqu'un, il n'y a pas. Mais elle a décidé de dire, oh, Togo, Côte d'Ivoire, tout compte fait, c'est l'œuvre de Dieu. Elle croit en ça. Elle s'investit dedans. Voilà. Merci Aïda, que Dieu te bénisse. Merci pour tous ceux qui veulent voir le ministère avancer. Merci. Nous avons tellement de besoins. Tellement de besoins. Toutes ces personnes, après mon retour, peuvent être pris en charge. Merci à Soumou. Monsieur Assoumou qui a décidé d'organiser cette rencontre en France. Et en même temps, il y a tellement de choses. Je dois être en contact avec les hommes d'affaires africains pour leur partager ma vision. Et il a décidé que il a touché des personnes qui doivent soutenir notre ministère. Il faut que je sois sur place là-bas. Lui-même, par la grâce de Dieu, est en train de tout coordonner pour que ça soit un succès. Merci, M. Assoumou, que Dieu te bénisse. Merci, Diamant. Merci déjà pour ceux qui sont en train de se battre pour permettre à ce ministère d'aller de l'avant. Parce que c'est ça. Il y a des gens qui sont dans les différents partis politiques. Eux, ils militent ce qu'on appelle dans le parti. Alors, quand le parti a besoin d'argent, ils donnent pour soutenir le parti. Or, nous militons dans un parti de Dieu, qui est un parti vraiment où ce ministère détruit et impose le royaume de Dieu. Alors, pour ceux qui veulent veulent voir l'œuvre de Dieu avancer, doivent militer dans ce parti, dans ce ministère. C'est-à-dire investir. Parce que nous sauvons des âmes. Vous avez vu des témoignages des enfants délivrés, des grandes personnes délivrées de la sorcellerie, qui deviennent aujourd'hui utiles à la société, qui deviennent utiles au royaume de Dieu. Or, quand tu désarmes et tu prends un élément de Satan, c'est une victoire dans le ciel. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Moi, je vous conseille la rigueur, beaucoup de sérieux. Je crois qu'on n'a pas mangé matin. Parce qu'on en jeûne. Hein. On prépare jeûne. Et ce jeûne, c'est de 3 jours. Amen. 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 Voilà, donc on reste dans un moment de jeûne. Non seulement ça pour prier pour mon voyage sur la France, parce que c'est important, mais pour prier en même temps
qu'on appelle, vous priez en même temps pour l'organisation de la PAC, pour le ministère, tout ça. Amen. Moi, je serai encore dans la soirée avec vous. J'ai une émission de télé le jeudi. Je suis sur le plateau de télévision TV2, Expression Jeune. Je vais enregistrer le jeudi. Ça va passer pendant la semaine. Voilà, donc je suis une heure du temps comme ça sur le plateau de la télévision ivoirienne. Voilà, donc je serai avec vous aujourd'hui, demain. Je serai obligé d'être là aujourd'hui, demain. On aura l'occasion de prier ensemble. Ce soir, je serai avec vous pour prier ensemble. Mais beaucoup de courage et beaucoup de sérieux. Tous, j'ai toujours un sacrifice en toutes choses. Un homme doit avoir une histoire. Et quand on parle de l'histoire, c'est la souffrance. Or, Dieu, pour sauver l'humanité, il s'est donné, il a souffert. Vous comprenez? Est-ce que Dieu avait besoin de ça? Il a souffert. Et ça a payé aujourd'hui. Amen. Il a eu la gloire. Or, sans la souffrance, il n'y a pas de gloire. Or, la croix, c'est symbole de souffrance. Sans la croix, il n'y a pas de gloire. Il faut forcément la croix. Avoir la gloire. Or, de l'autre côté, les rosicristiens, ils parlent de la rose et croix. Ils parlent d'une vie de rose et puis une vie de croix. Tu ne peux pas qu'on une vie de rose et puis venir pour la croix. C'est dangereux. Il faut d'abord la croix et puis la rose. C'est la différence entre nous et les rosicristiens. Nous, c'est la croix et la rose. Amen. Si on veut une vie de rose, c'est une vie de victoire. Or, si tu n'as pas connu la souffrance, qui est une corde de Dieu, il sera difficile pour toi d'avancer. Or, c'est la souffrance qui te revient toujours pour dire, je sais d'où je viens, donc je dois faire beaucoup de sérieux. C'est pour ça que je ne suis pas en train de m'amuser avec le secrétariat, avec ce qui se passe ici. Parce que nous savons d'où nous ont quittés. C'est pour ça que souvent, quand les gens parlent, je les interpelle. Est-ce que tu sais, tu es quand même conscient de ce que tu es en train de faire? Tu sais où tu es quitté? C'est pour ça que quand vous savez, Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas une grande vision. Or, quand tu veux bénir personne, Dieu tiendra compte de sa vision. Or, quand tu projettes les choses très loin, Dieu te bénit. Quand tu penses qu'il faut se limiter à ce que tu as maintenant, tu ne verras jamais Dieu te bénir. Amen. Amen. Voilà, je suis en train de m'améliorer. Je viens d'engager depuis hier, aujourd'hui, comme ça il va venir, un comptable. Un comptable pour l'ingénieur, il fait comptabilité. Je veux que ça soit grand. J'ai discuté avec Ahmed. On a créé un site, donc j'ai dit merci au frère Nassis Nabo, qui a créé un site. Et nous sommes en train de voir comment agrandir la chose. Je suis en train d'échanger avec lui. Je peux l'envoyer au Nigeria, dans le camp de Tibé Joshua, et dans des grands coins, parce que nous, on veut faire une télé. Si je reviens, je vais prendre ici. On va acheter ici. Et puis ici, on va faire ici un studio de télé. On va faire une télé ici. On va faire beaucoup de choses ici. Amen. Il y aura tellement de choses. On aura des salles même de mariage. Quand je vais revenir, nos activités vont démarrer. Amen. Parce que nous allons prendre tout ce qui est mariage en compte au niveau de toute la région de Divo. Ça va nous permettre de créer des emplois ici. J'ai tellement de choses à faire. Donc, c'est pour dire, mettez beaucoup de sérieux. Moi, je sais où je m'en vais avec vous. Or, si vous ne jouez pas, moi, c'est la rigueur. Or, dans un service où il n'y a pas la rigueur, ça n'ira pas loin. Or, dans le christianisme, il y a un mot de vie. Quand tu ne rentres pas dedans, tu te sépares. Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc, beaucoup de sérieux. Nous sommes en train de fêter la Pâque. Chacun doit comprendre qu'il faut que cette personne passe une autre étape de sa vie, de sa chrétiennité. On a tous des comportements peut-être gauches, mais on doit s'améliorer. Il ne faut pas toujours qu'on te retrouve dans les mêmes choses. Ça, c'est dangereux. Or, si tu es dans les mêmes choses, Dieu ne va jamais te bénir. Dieu ne va jamais te bénir. Améliorons-nous. Allons de l'avant. Amen. Amen. Allons de l'avant. Nous devons maintenant grandir. Nos comportements doivent attirer les gens dans ce ministère. Nos comportements doivent faire qu'aujourd'hui, les gens puissent vraiment aimer Dieu. Et ça, c'est important. Amen. Amen. Donc, que Dieu bénisse. Nous sommes tous là pour le jeûne. C'est 3 jours. Nous allons prier. Non seulement ça pour m'envoyer sur la France et tout ça. J'en profite quand même pas pour dire aux gens, pour Paris, la salle est déjà trouvée, la salle. Ils ont déjà trouvé la salle en banlieue. Vous allez déjà appeler les numéros pour les réservations au niveau de la salle. C'est une grande, très grande salle d'ailleurs, par la grâce de Dieu. À Toulouse, déjà les salles sont déjà trouvées. Même à Lyon, dans beaucoup de villes, les salles sont déjà prêtes déjà. Vous appelez plus pour la France, plus 337 51 52 05 00. Je reprends les numéros, plus 337 51 52 05 00.
Je serai par la grâce de Dieu la semaine prochaine sur la France et on aura l'occasion de prêcher déjà. Et là, toute la France est déjà mobilisée, c'est le sait, parce qu'avec le coup de fil qu'on reçoit, vous contactez Diamant, celle qui a pris l'initiative. Quand l'équipe, la première équipe a décidé de banaliser la chose, parce qu'elle a décidé de prendre les choses en main, et en même temps, elle a eu le soutien d'un frère qui a dit non, le prophète ne peut pas venir comme ça, et puis les gens ont organisé comme ça sa manifestation. Or, le frère, celui qui a payé les billets d'avion, qui prend les salles en compte, qui prend tout en compte. Donc c'est déjà vraiment intéressant. Et c'est les gens qui sont déjà venus nous voir pour échanger avec nous, ou demander qu'on fasse comment nous allons donner. Or, la première équipe voulait forcément avoir 60 millions pour que le prophète arrive. Il leur a dit non, 60 millions, c'est pas ça la priorité. La priorité, il fallait que je vienne d'abord. Non, on ne s'est pas entendu. C'est si on ne s'est pas entendu, je me suis séparé d'eux parce que je voyais qu'il y avait trop d'argent que les gens demandaient dedans. Or, maintenant, cette équipe-là, vraiment me réjouit le cœur. Vous appelez plus 337-51-52-05-00 pour vos réservations. D'abord, il faudrait que je sois là. On ne paye pas d'abord. Il n'y a pas d'argent qu'on fournit, mais la réservation. Vous prenez d'ailleurs, parce que vous aurez des réunions avec des personnes, même avec moi, vous aurez des réunions, des rencontres avec moi, pour qu'on échange sérieusement. Donc, le 337-51-52-05-00, elle s'appelle Diamant, celle qui s'occupe, celle qui organise même la responsable. Et puis je dis merci aussi à Soumou, j'ai encore deux autres numéros, plus 336, 13, 75, 33, 87. Tout est fait prêt pour que j'arrive à France. Shalom, que Dieu bénisse.